Eh bien bonjour les amis, voilà, de retour au potager urbain de Manneken, après mes 10 ans de mariage, anniversaire. Donc voilà, tout s'est bien passé, c'était magnifique. Et c'est pour vous faire voir alors, donc, où est-ce qu'on en est? Ben, ici le temps est plus frais, bien qu'hier on ait eu quand même du 34 degrés. Les tomates mûrissent, en particulier tout ce qui est tomates cerises. L'arbre verveine continue de monter. On est vraiment sur la fin des courgettes de toute façon, puisque comme vous voyez, j'ai la maladie qui s'installe. Donc voilà, je vais les bazarder. J'attends peut-être un peu, voir un petit peu si ça va me faire d'autres courgettes, mais je ne pense pas. Donc voilà, le plant de tomate ananas me fait des fleurs. Magnifique plant d'ailleurs, bien costaud. Comme vous voyez, le pied est quand même assez beau. Voilà. Donc les petites tomates cerises que j'avais ici. Et ça mûrit bien au soleil. Le petit chêne commun que j'ai récolté dans le jardin. Mais voilà, fait une feuille tranquillement. Tout se passe bien. Et alors ici, ben, j'ai mon potimarron qui prend sa place tout doucement. C'est d'autres fleurs qui sont là. Donc, j'ai des framboises aussi. Je fais la framboise blanche pour la deuxième période de saison. Voilà, toutes les tomates continuent à grossir. C'est, vous voyez, ça mûrit pas, bien que. J'ai ici la russe, alors dont je sais le nom maintenant, donc c'est le nom qu'on m'a donné pour EK. Donc je demanderai à Jaco et Lily si ça leur dit quelque chose. Voilà, j'ai des fleurs qui avortent quand même encore, mais c'est pas trop grave. Et ça mûrit. Donc voilà. Tout va bien. C'est pas mal de toile d'araignée. Mais bon, je vais les faire. Sans gourmandre. Les choux, bien sûr. Cassis. Et puis voilà, donc les feuilles ici qui sont malades. Je balance ça au compost qui est là derrière. Et le plant de piment, poivron, ben, il continue à faire sa vie, lui, tranquille, hein, avec les orangers et les clémentiniers. Et puis ici, j'ai balancé des patates qui germaient. J'ai mis un grillage parce que le mulot, sinon, déterre, mais ne m'a rien pris. Et ben voilà, ben, ça pousse. Hein, on ne sait jamais, on verra bien. 10 kilos de patates là d'ici la fin de l'année, ben, ça sera bon à manger. Voilà le dahlia qui arrive tranquillement. Voilà, ben, tout va bien. Et voici ma petite récolte après 5 jours de tomates, cerises en tout genre, framboises et mûres. Voilà, et bien je vous dis à bientôt à 10 yates.